La France est toujours en vie dans cet Euro 2024. La France est qualifiée en demi-finale de l'Euro après avoir battu le Portugal. Victoire au tir au but face à ces Portugais. On va vous décrypter le match, la tactique et la conférence de presse du sélectionneur Didier Deschamps. Après avoir travaillé le 4-4 de losange la veille du match face aux Belges en 8e de finale et avoir décidé finalement de jouer en 4-3-3 face à ces mêmes Belges, Didier Deschamps a choisi de jouer en 4-4 de losange pour ce quart de finale face aux Portugais sans l'avoir travaillé entre les deux matchs. On peut dire que c'est pas forcément une réussite pour le sélectionneur et pour l'équipe de France. On a senti un système avec Griezmann en position numéro 10 derrière Mbappé et Kolo Muani qui laissait beaucoup d'espace sur les côtés aux Portugais, surtout sur le côté gauche portugais avec Nuno Mendes et Rafael Leao. Ça a obligé Kolo Muani à venir couvrir ce côté droit français, venir aider Koundé également parce que dans un contre un, Koundé a beaucoup souffert face à Leao. Il a changé ensuite en positionnant Dembélé qui est entré en jeu sur le côté droit, en repositionnant un petit peu son équipe en 4-3-3, en défendant un petit peu plus sur la largeur. Ça a mieux fonctionné à ce moment-là. Donc le 4-4-2 n'est pas une réussite pour Deschamps. Mais au final, l'entrée de Dembélé est une réussite et ce 4-3-3 un peu plus parce que finalement, Dembélé a été élu homme du match. En huitième de finale, Deschamps n'avait fait qu'un seul remplacement face aux Belges. Ça avait fait beaucoup parler. Il en a fait plus ce soir face aux Portugais. Et la plus grosse réussite, c'est l'entrée d'Ousmane Dembélé puisqu'il rentre. Et il est homme du match à la fin. Il a dynamité vraiment cette équipe de France. Il a apporté du dynamisme. Il a été actif. Il a fait des différences en 1 contre 1. C'est ce qu'on demande à Ousmane Dembélé. Il a manqué un tout petit peu de finition pour les Français parce qu'il a eu des situations devant le but, notamment quand il repique dans l'axe comme ça et qu'il tire. Il doit cadrer ses frappes. Il l'a dit en conférence de presse, le sélectionneur. Il lui manque un petit peu de justesse, mais c'est une vraie réussite de la part Deschamps. Il a finalement récompenser Kolo Muani après son entrée en jeu face aux Belges en 8e de finale en le titularisant ce soir face aux Portugais. On imagine qu'il donnera du temps de jeu, plus de temps de jeu à Dembélé en le faisant démarrer en demi-finale face aux Espagnols, en récompensant comme il l'a fait pour Kolo Muani, Ousmane Dembélé de son entrée en jeu. On n'a pas eu un sélectionneur Deschamps vraiment euphorique en conférence de presse, plutôt même agacé des questions des journalistes. Souvent, il a coupé la parole aux journalistes pour reprendre un petit peu les gens sur le système défensif, notamment le style de jeu de l'équipe de France. On sent vraiment que les critiques de ces derniers jours ne sont pas passées du côté du sélectionneur. Par exemple, sur les tirs au but, quand tu lui as demandé comment il a choisi ses tireurs, le sélectionneur a répondu au hasard, comme d'habitude, parce que je fais tout au hasard, ironiquement, face aux journalistes. Donc voilà, c'est un sélectionneur agacé, qui aimerait avoir un petit peu plus de soutien de la part de la presse française, un plus de soutien aussi de la part de ceux qui critiquent depuis la France les suiveurs, les consultants, les spécialistes, les supporters. Donc un Deschamps qui ne s'est pas vraiment ouvert sur ce qu'il avait envie de faire ce soir. On en saura certainement plus lors des prochaines conférences de presse.